Et un petit coup de page. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Oh, ça roule. Et ça, c'est que la moitié du craquage, hein, parce que j'en ai un autre sac qui s'en vient bientôt. Donc, j'ai commandé chez Shein et chez Boohoo, sauf que Boohoo n'arrive pas. Voilà, c'est le secret de cette vidéo. Il y aura deux parties dans cette vidéo. Donc, deux parties possiblement avec totalement pas le même outfit. Pas du tout la même tenue, pas du tout même moment en fait. Le truc c'est que ma commande Shein est arrivée en 3 jours, vraiment. Et ça fait déjà une semaine que j'ai reçu et je m'impatiente trop. Sachant que bon, aujourd'hui il fait très pas beau, mais je suis en manque de t-shirt et j'ai pris que des crop top et tout. Et comment vous dire, mon impatience suivie de mon signe astrologique. C'est un peu compliqué la patience avec moi, on se connaît pas. Non, on ne s'aime même pas en fait, on ne s'apprécie pas du tout. Du coup, ben on va commencer tout de suite. Ça fait bizarre d'être debout. Donc on va commencer tout de suite. Donc, Shein que j'ai reçu. Et c'est parti. J'ai vite fait regarder s'il y avait tout, s'il y avait tous les articles, et il y avait tout. Voilà, et j'ai enlevé du papier parce qu'il y avait une tonne et demie de papier genre partout. Et comme j'avais envie que ce soit plutôt rapide. Mais c'était il y a plus d'une semaine, donc je ne me rappelle même plus ce qu'il y avait. Bon, on va commencer tout de suite, je vais piocher. Alors, on va commencer par ça, parce que je les ai mis tous ensemble, parce que c'était chaque t-shirt était emballé dans un petit papier séparé, et du coup j'ai tout mis ensemble, parce que c'était vachement plus pratique comme ça. Donc, en premier, il y avait un maillot de bain. Voilà, c'est un petit maillot de bain tout simple. Rose, il paraît énorme, mais en fait... Pas vraiment. Les maillots de bain, je vais pas les essayer avec vous parce que je suis un peu pas très à l'aise avec mon corps. Et maillot de bain, ça me gêne, genre un petit peu. Mais voilà, il se présente comme ceci et la matière, elle est trop belle. Genre, c'est un peu matière côtelée comme ça avec un tissu brillant. C'est trop beau. Je suis trop fan. Voilà. Ensuite, avec ceci, il y avait ce petit t-shirt. Bon, il n'y a que du crop, hein, je vous préviens. Qui se présente comme ceci. J'ai encore mis du noir pour cette vidéo. Mais si je mets du noir, on voit pas ce que je présente. Donc il se présente comme ceci. Je vais aller l'essayer. Mais d'abord, j'aimerais trouver mon seul pantalon que j'ai. De cette commande. Donc, j'ai acheté un cycliste. Le premier de mes cyclistes. J'en ai acheté sur Boohoo, mais je les attends toujours. C'est un cycliste. Je l'ai pris en vraiment grande taille. Je vais tout essayer avec ça, je pense, s'il me va. Comme ça, ce sera vachement plus pratique que jouer un cycliste classique parce que c'est le seul bas que j'ai. Donc ça va être simple. J'essaye ça tout de suite et c'est parti. Avec ce petit t-shirt. Voilà pour ce premier top. Il est trop beau. Je suis contente, il est parfait. Il est assez court mais avec un truc qui remonte assez haut, franchement, c'est parfait. Il est vraiment trop mignon, ben, en fait il est tout simple. Pour les cyclistes, il est vraiment pas mal. Il est vraiment bien, il est vraiment cool. Voilà, après moi j'ai un petit bidou, voilà. Mais il est vraiment cool et j'ai tout pris en L pour ceux qui s'intéressent. Mes tailles c'est tout du L. Voilà, comme ça. C'est très simple, enfin, sauf les maillots de bain. C'est du XL, voilà. Ensuite, bah, en fait dans le même style. Du coup, ce genre de style en manche courte, court comme ça, j'ai pris celui-ci en rose. La matière est différente par contre parce que celui-là il a des rayures. Enfin, vous voyez, il est en mode comme ça. Et celui-là il a des rayures, mais plus fine, enfin moins espacée quoi. Voilà, il se présente comme ceci. Et je vais l'essayer tout de suite. Bon, alors celui-là, il est vraiment pas mal, mais je vais laisser mes mains ici parce qu'en fait, au moment de la gorge, il est très transparent. Du coup on voit mon soutien-gorge, donc je vais laisser mes mains comme ça, sinon genre mettre un truc beige dessous ou juste des cache-tétons pour ceux qui sont à l'aise avec leur poitrine. Voilà, ouais, et j'ai un soutien-gorge noir donc on voit clairement mon soutien-gorge, donc je vais rester comme ça, c'est parfait. Donc c'est un t-shirt basique tout simple, pareil il est assez court donc c'est vraiment cool. Dans le dos il est comme ça, donc il est vraiment cool, c'est franchement un
t-shirt que j'aime beaucoup. Il est tout simple, mais c'est efficace. Genre, il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est un petit top vraiment cool. Il est vraiment super chouette. Ensuite, on continue avec ça. Je sais ce que c'est. C'est pour ça que vous voyez mon sourire sur mon visage. Hop. Donc, c'est ce t-shirt. Il est trop beau. Je suis amoureuse de ce t-shirt. Il est vraiment trop beau. Il se présente comme ceci. Et dessus, il y a des petites écritures rock'n'roll. Born roll. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Je vais aller l'essayer tout de suite. Et voilà. Il est trop beau. Je suis trop contente. Franchement, je l'aime trop. Genre, l'imprimé, ça apporte juste un petit plus à la tenue. Et c'est trop beau. Je suis trop fan. Et je vous ai même pas dit tout à l'heure, j'ai changé de shirt. Ça, c'est un shirt à moi que j'ai depuis genre, très longtemps. J'ai changé parce que j'étais pas très à l'aise dans le cycliste. Voilà. Donc, j'ai mis ce petit shirt pour vraiment me faire matcher avec toutes mes tenues. Parce que, genre, moi, shirt noir, jupe noire, c'est la base. Voilà. Et j'ai rajouté mes bijoux parce que j'avais oublié de mon collier, ma bague. N'importe quoi, c'est bizarre. Donc voilà pour ce petit t-shirt, il est vraiment cool, franchement je l'aime trop. C'est trop fun. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-là, je pense que je vais galérer. Parce que, quoi que je l'essaierai après celui-là. Celui-là, on l'essaiera après parce que je vais l'essayer sans soutien-gorge. Parce que genre, il se resserre, donc je pense qu'il va bien maintenir la poitrine. On a celui-ci. Qu'est-ce que c'est celui-là? Je vois du noir. J'aime le noir. C'est du noir. Alors, ah oui, j'ai craqué dessus sur le site. C'est dans ce sens-là. Il est trop beau. C'est un t-shirt, une manche. Vous savez, genre, je trouve ça vraiment trop beau. J'en ai un, mais c'est juste une bretelle. Et là, avec une manche longue, je trouve ça trop beau. Donc, c'est parti pour l'essayer tout de suite. Et voilà pour ce t-shirt. Il est trop beau. Oh, il l'aime. Je trouve que ça fait tout à une tenue. Genre, vraiment, c'est trop beau. Par contre, il était un peu dur à mettre. Genre, il s'est mal mis, genre, au niveau de la manche. Et du coup, il est hyper dur. Mais je pense qu'ils l'ont bien fait serrer comme ça pour le porter vraiment sans soutien-gorge. Genre, je sens qu'il y a vraiment du maintien au niveau de la poitrine. Et je pense que même porter sans soutien-gorge, pour moi qui ai une forte poitrine, ça ne poserait aucun problème. Parce que je pense que c'est fait pour. Voilà ce que ça donne dans le dos. Je trouve ça vraiment trop beau. Je fais ça avec une petite jupe ou un petit pantalon bleu, enfin couleur jean quoi. Et franchement, ça fait tout. Franchement, il est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Il est trop beau. In love. Est-ce qu'on prend ma carte? C'est une session. Je sais pas ce que c'est. C'est des couleurs qui me parlent. Eh oui, celui-ci. Eh bien, celui-là, c'est pareil. Je ne sais pas si je ne vais pas plutôt l'essayer que j'aurai pas de soutien-gorge. Parce que je pense que sans soutien-gorge, il est mieux. Je vais voir ce que je pense mettre sans soutif. Comme ça, je les aurai bien sans son. Donc après, il y a celui-ci. Je vous montre quand même celui-là. En fait, il se présente comme ceci. Et en fait, je pense qu'il va bien maintenir la poitrine. Donc je pense que sans souci ça le fait grave. Voilà. Et ensuite il y a celui-là. Je ne vais pas faire la meuf, mais j'ai l'impression que c'est en train de me chauffer le bras. Je sais pas pourquoi. Bref. Et ensuite il y a celui-ci aussi que je veux porter sans souci. Mais vous savez, il se resserre comme ça. Et ça c'est trop la mode en ce moment. Et du coup je pense qu'il y aura un bon maintenant au niveau de la poitrine. Note que lui c'est pas que je veux pas le porter sans souci, c'est juste qu'il est transparent. Et juste avec des cache-tétons, je pense que ça fera rien à faire. Voilà, il se présente comme ceci. Et vous savez, c'est les t-shirts grave à la mode avec le dos tout nu là. C'est pour ça que je veux le porter sans souci. Ouais, il est pas si transparent que ça en vrai. En vrai, là je vois pas à travers. Il est pas si transparent que je pensais. Mais il est vraiment trop beau par contre, je suis vraiment une love. Mais j'ai acheté des cache-tétons, ils sont quelque part par là. Et donc j'essaierai avec un cache-téton plutôt. Des cache-tétons. Là qu'on voit le...
Les fermetures de soutien-gorge, je vais y arriver. Et donc ensuite, il y a celui-ci. Alors, quand j'ai regardé, je me suis dit, comment on ça, moi. Et alors, c'est tout un micmac. J'avais compris, mais maintenant, je comprends plus. Ah, mais ça, c'est en bas. Et donc, il y a un truc de croisement, genre, avec ça, je crois, derrière. C'est un petit top, comme ça, là. Ah, mais c'est pareil, il a plein de fils. Je vais aller voir si j'arrive à le... Je vais voir si je réussis à le mettre. Parce que j'aurais un truc. Je le mets comme ça. Ok. Non, je regarderai sur le site en même temps que le blanc. Parce que franchement, je ne comprends rien. Ah, celui-là. Un basique. Beaucoup de basique. Un t-shirt pareil chez Boubou. J'ai pris beaucoup de basique. D'ailleurs, j'ai pris que de ça chez Boubou. J'ai pris ce petit top avec un lassage là. Je trouve ça vraiment trop beau. Alors, comme ça plutôt. Voilà, il se présente comme ceci. Je vais aller l'essayer tout de suite. Donc, ce petit t-shirt. Alors, il est vraiment cool. Le seul hic, c'est ça. Je sais pas comment le mettre parce qu'avec un nœud, c'est moche. Genre, ça fait un petit truc comme ça. C'est pas très beau. Détendu comme ça, ça va m'énerver. Je crois du juste sur définir la taille que je veux et faire des petits nœuds et les. Parce que sinon c'est vraiment chiant. Mais sinon il est vraiment cool. Bon, noir basique. C'est une valeur sur le noir. Il se présente comme ça derrière. Il est vraiment cool. Franchement je le trouve trop mignon. Il est vraiment trop beau. Et, bon, sauf si vous avez des problèmes avec votre poitrine. Mais il descend quand même assez bas au niveau de la poitrine. Donc on voit quand même un petit peu du pare-choc. Mais il est vraiment trop beau. Toujours du noir. Encore du noir. Mais il n'y a pas de la couleur dans ce que j'essaye après. Ah oui, celui-ci c'est vraiment un top basique. Parce que j'en ai pas vraiment non plus. C'est un top basique noir comme ça. Ni plus ni moins. Il est tout simple. Et on va aller l'essayer tout de suite. Bon, alors celui à part pur principe, je vais garder ma main là. Parce que sinon, moi je m'en fiche, mais on voit un petit peu de décolleté. Voilà. On voit beaucoup de décolleté. Parce qu'il se porte vraiment normalement encore plus bas, mais clairement, pas très beau sinon. je l'ai remonté un peu, comme ça c'est pas mal, mais en fait, vous voyez, ma poitrine elle se finit là. J'ai une forte poitrine, quoi, vraiment. Moi j'ai une poitrine très généreuse. La fin de ma poitrine est là, et le trait est là, donc il y a quand même un bon 5 cm qui n'est pas pris, donc c'est un peu bof. Mais bon, je vais remonter encore un peu, mais voilà, en descendant bien. Exactement, bon, moi ça fait un big décolleté, mais ça c'est pas grave, c'est votre style, votre goût à vous. Voilà, si vous êtes un petit peu plus petit et tout. Parce qu'on voit vraiment la poitrine, donc si vous n'êtes pas dans le moule où on montre un petit peu de décolleté, prenez pas ça, ça va pas du tout vous plaire. On a une couleur intéressante. On a fini le noir, il n'y a plus de noir. On a du verso. Toujours le style une épaule dénudée. Là c'est l'autre épaule. Il est vraiment trop beau. Cette couleur sur les rousses. Bon là avec ma mèche blonde verte c'est pas très beau, mais cette couleur sur les rouges, je trouve ça trop bien. Donc on va essayer tout de suite, c'est parti. Et voilà pour ce t-shirt. Donc pas du tout à porter avec ce que je porte, clairement. C'est à porter avec des cache-tétons, clairement, ou sans rien du tout si vous aimez pas. Si ça vous dérange pas qu'on voit une petite tête. Moi je suis pas contre, mais j'avoue que j'aime bien porter des cache-tête quand même. Il est trop beau, cette couleur, c'est vraiment trop beau. Je suis trop fan. Avec ma couleur de cheveux, je trouve ça trop bien. Voilà, je suis vraiment trop contente, il est trop beau. Et alors ce petit détail là, des deux lanières là, je trouve que c'est vraiment joli. Voilà. Voilà pour celui-ci. Je l'essaierai avec les autres en mode, juste avec les cache-tête. Ah voilà, ils sont là. Elle s'est trop forte de cœur. J'espère que ça ne verra pas trop. Mais il y a 10 paires, je crois. Je crois qu'il y en a 10 dedans, mais je ne me rappelle plus. Dans une part, une niche. Mais voilà, ils sont en forme de cœur. Ils sont trop mignons. Et donc, il me reste un t-shirt à vous présenter. Et après, il y a deux maillots de bain et une ceinture. Et après, les essayages des maillots.
Ouais, celui-là, je vais laisser les sans soutif parce que je sais que il va. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire de la merde quelque part. Genre par ici. Donc, je vais aller. Je vous présente d'abord. Je vais cacher les pantalons. La petite ceinture. Trop belle. C'est une toiture noire. Mais le petit détail, il se trouve ici. Je ne sais pas trop si je suis. Je vais d'abord voir si elle va. Oui, elle va. Mais le petit détail, c'est ça. C'est trop mignon. Je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fan. C'est trop beau. Voilà. Une petite ceinture toute basique. Et les deux maillots de bain, alors je vous le dis tout de suite, je les ai ouverts. Et j'ai regardé les hauts. Il y a la simple et bonne raison. À quoi que celui-là, c'est le moins pire. C'est vrai. C'est le moins pire celui-là. Ouais, celui-là, j'ai l'impression qu'il va m'aller, mais genre pour rester à la maison et bleacher, quoi. Parce que. Bleacher, ça veut dire quoi, bleacher? C'est pas d'où j'ai sorti ce mot. Mais non, celui-là, il a l'air pas trop mal. Il est pas si petit que ça. Et la culotte, par contre, j'ai trop mieux si je sais si je vais rentrer dedans. Mais on verra, c'est un tanga. Moi, je prends. Parce que ça, genre, l'été, je vais montrer mes fesses. Prends bien sans face. Et alors, celui-là, c'est celui auquel je suis tellement déçue. J'ai essayé, et même, mais je pense pas. Parce que, genre, j'ai vu à travers la taille des pare-chocs. Et, genre, j'ai fait. C'est même pas un cache-téton. Genre vraiment, c'est même pas un cache-téton. Genre, ça cache à peine le téton, quoi. Même en le tirant, enfin, je suis pas sûre que ça cache grand-chose, quoi. Donc, on verra. Je vais aller l'essayer. Celui-là, il y a un truc de lassage, genre, au niveau du tour de taille. C'est pour ça que je le trouvais trop beau. Et pour la culotte, bon, par contre, la culotte, c'est sûr qu'elle va. Elle est grave échancrée et elle monte haut. C'est pour ça que je l'ai kiffée. Mais je vais la tester aussi. Je vais tester tout et je verrai qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Et au niveau de la culotte, c'est pareil. Donc, au niveau de la culotte, vous pouvez la resserrer sur les côtés, ça j'aime bien. Mais vous avez genre plein de lacets qui pendent sur le côté des cuisses. Franchement, je trouve ça trop beau. Donc, c'est parti. Je vais aller essayer tous les t-shirts. Et c'est parti! Donc, celui-ci, c'est mon fave. Franchement, c'est mon préf. Il m'attire super bien la poitrine. Vous voyez, genre, il est calé au-dessous de ma poitrine. Il fait un effet, genre, de bombe atomique. Franchement, je suis trop contente. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs couleurs, mais s'il y en avait d'autres, je peux vous assurer que je vais partir direct les commander. Parce que c'est vraiment trop beau. Les cache-tétons, je suis grave déçue. Ils sont vraiment pas top. Déjà, j'ai touché genre 2 secondes et ils se sont pelochés. Je vous les montrerai après, je vais les enlever. Parce qu'il y a plein de t-shirts qui sont vraiment trop transparents et on voit quand même la forme. Du coup, c'est pas beau, du coup, je vais mettre un sous-gorge blanc comme ça, on verra le blanc, mais c'est pas grave. Vraiment, donc voilà, les cache-tétons, c'est pas très top. Ils sont vraiment nuls. Mais ce t-shirt, il est vraiment trop beau. Il est vraiment super cool, il est magnifique. Voyez sur Chine, foncez parce qu'il est vraiment trop bien. Je continue l'essayage. Ensuite, il y a celui-ci. Il est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Il est vraiment magnifique. C'est pareil avec ma poitrine, franchement. Bon, j'ai une poitrine tombante, hein. J'ai une forte poitrine. Et qui a pris du volume très rapidement quand j'étais jeune et du coup qui a tendance à tomber. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment le genre de t-shirt qui met en valeur les grosses poitrines, les fortes poitrines, même les tombantes. C'est pas très joli, bon dans la société c'est pas très beau, la société, mais elle a pas raison la société, c'est ce qu'il y a de moins joli, entre guillemets, mais avec ce genre de top ça met les poitrines tombantes très en valeur, c'est vraiment très beau, voilà, c'est trop beau, je suis trop fan, et on continue avec les autres t-shirts. Ensuite on a celui-ci, du coup c'est, il est très transparent, hein. Vraiment la voir caution, mais on s'en fout. Et du coup, bah, forcément, on voit la tache du soutien-gorge. Dans le dos, il est vraiment trop beau, du coup, c'est vraiment très joli. Et voilà, il est vraiment très beau. Un peu épais, peut-être, par contre, parce que dans le dos, il est très nu, mais
assez épaisse. Enfin, même, elle n'est pas épaisse, elle est assez fine, mais elle tient chaud. Genre là, j'ai chaud. Et on continue avec la suite. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, c'est un basique. Toutes les filles devraient l'avoir. Et même certains garçons. Il est trop beau, je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Il n'est pas transparent, mais on voit là. Il est vraiment trop beau, je suis trop contente, il est trop chouette. C'est vraiment un petit basique, un petit top vraiment très simple pour l'été, c'est vraiment cool. Il est vraiment chouette. Donc c'est fini pour Shein, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour Pouhou, j'espère. C'est parti, on croise les doigts. Ah, si vous saviez, celui-là il faut bac plus 12, mais genre vraiment. Il est vraiment très beau, il est pas trop transparent, mais j'ai gardé soutien-gorge au cas où, pas avoir de tête salaire ou un truc comme ça. Dans le dos il est vraiment très beau. Dans le dos il est comme ça, c'est vraiment très 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 joli. Voilà, bon après avec le soutien c'est parce qu'il y a plus joli, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Il en reste deux à essayer après, donc c'est parti, plus que deux. Ah, celui-ci aussi c'est pareil, c'est un peu bac plus 8, hein. Si j'avais pas regardé la photo, je serai toujours en fait. Donc c'est cousu ici, voilà. Et ensuite ça fait des longs galons qui sont passés dans ces petits trucs là. D'ailleurs c'est pas très très beau, ça retombe et du coup c'est pas très joli. Il y a un fil. Ah, j'ai plein de fils là. J'ai plein de fils. Et donc ils sont passés dans ces petits anneaux là. Et ensuite ça remonte pour... et il faut faire un nœud ici qui vient de se défaire. Mais clairement je vais pas le refaire. Voilà, celui-ci est vraiment trop mignon. Je suis trop contente, il est vraiment trop chouette. Voilà. Et c'est parti pour le dernier t-shirt. Regardez qui est arrivé. La dame bourrou. Ouais, il y a deux gros colis dont un qui est ouvert. En fait, tout à l'heure, je vais aller les chercher ce matin. Et je me suis dit, bon allez, on va ouvrir. Si j'ai bien tout, et je me suis dit non, on va se garder la surprise. Si y a tout, je me rappelle plus de ce que j'ai commandé, donc je vérifierai après de voir si j'ai tout. On va commencer parce que ça va être très 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 très, très long. Donc dans cette commande là, j'ai encore pris beaucoup de t-shirts en fait, c'est ce que j'ai besoin. D'ailleurs, je porte le t-shirt une manche de chez Shein, je les ai déjà lavés. Et la petite ceinture. Voilà. Est-ce qu'on commence déjà par salir un vêtement? J'ai commandé ça, moi. Il y a une écriture dessus. Si vous kiffez mon maquillage, il arrive dans une prochaine vidéo. Je sais pas exactement quand, mais ça arrive. Ok. Donc du coup, on va entendre ce magnifique bruit de sac plastique que j'ai pas ouvert. Et du coup, j'ai pris aussi des t-shirts, des trois bas. Voilà. Oh, il est trop beau. Il y a marqué quoi? Ah oui, c'est vrai, Positive Vibes. Il est trop beau celui-là. J'ai peur qu'il soit transformé. Tout de suite. Voilà pour ce t-shirt, il est trop beau. Bon, par contre, j'ai mis un soutien gorge, je pense que ça va se voir de ouf. Mais ça, c'est apporté avec une brassière. Mais la mienne, elle est en blanc. Donc, ce sera comme ça. ouais, avec une petite brassière, quand tu lèves les bras, t'as le nom de la marque, c'est trop beau. Bref, je le trouve vraiment canon, ce t-shirt. Il est vraiment trop beau. Je suis trop fan. Il est trop mignon. Bon, du coup, comme j'ai mis un soutien gorge, d'attraper des affaires blanches. On fait tout le blanc d'un coup. Ah oui, alors c'est le seul t-shirt que j'ai fait comme ça. Parce que je l'ai au sous la couleur. Ah, j'ai compris, ça s'ouvre comme ça en fait. Oh oui, d'accord. Je vais découvrir comment on ouvre le paquet.
noir, c'est... Ah, du blanc. Je vais continuer à le faire. Il faut que je monte à quand c'est de noir. Est-ce que c'est trop noir? Oui, oui. Il faut le dire. Non mais en vrai dans la commande Chine, j'étais vraiment moitié-moitié. Moitié couleur claire, moitié noir. Mais là, noir, du noir, du noir, du noir. Alors ça c'est quoi? Mais c'est trop mignon, ça c'est tout simple. Tu portes ça l'été, bon, si un jour on a un été, parce que ça me déprime. Plante tout basique, on va l'essayer, c'est parti, on clique. Alors celui-ci est vraiment très transparent. Un soutien-gorge, c'est juste un soutif. Mais sinon, il est vraiment très mignon. Vraiment très 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 mignon. On ne peut pas porter avec ça. Parce que c'est pas joli, mais je pense avec des petits caches tampons. Ça passe nickel. Nickel. Hop, voilà pour le dos. C'est très simple, très basique. C'est tout ce que j'allais dire. C'est très simple, très basique. Alors. On en voit partout. On en voit partout. Mais est-ce que ça va me plaire? Ça, c'est la question. Donc, petit top. Bleu. Tout simple. Voilà, basique. Avec petit trou au niveau de la poitrine, là. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, celui-ci. Oui, j'ai triché. Alors, je n'avais pas du tout ce nœud-là tout droit. Je trouve que ça m'était très droite, très strict. Très strict au t-shirt. Du coup, je ne l'avais pas du tout. Je t'en mets mon nom, c'est même pas la peine, je ne sais pas, il est moche. Et du coup, j'aime beaucoup. Même genre, juste comme ça, ça part en haut comme ça. Trop beau, je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite technique là parce que sinon clairement il allait pas donner parce que je n'en ai pas du tout. Mais comme ça, c'est plutôt mignon. La couleur et tout, j'aime bien, ça va, ça passe. Donc on va ouvrir le duo. Donc ça c'était un lot de deux. Je vais prendre les pieds. C'est même pas caché. C'est même que le temps. C'est le même que celui de tout à l'heure, non? Non, je sais pas. Bref, on va l'essayer tout de suite, c'est parti. Bon, celui-ci. C'est exactement le même que celui que j'ai essayé juste avant. Voilà, c'est le même en fait. Sauf que celui-là, il était en duo avec un noir. Donc, ça va m'attarder dessus. Il est mignon, mais il est transparent. Du coup, il y a exactement le même en noir. Donc, c'est parti, on va l'essayer. J'ai l'impression qu'il est très transparent. Je vais mettre un tout à gorge noir. Parce que là, ça ne va pas du tout. Donc, du coup, celui-ci, bah, il rend très beau. Mais du coup, voilà, il se retrouve comme ceci. Il est vraiment très mignon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais me mettre, attendez, j'ai pas encore pris le même. Mais j'ai repris le même. Mais en noir. En fait, ça me fatigue. Stop, c'est trop long. Fatigue, voilà, c'est le même. Bon, bah, c'est le même que celui-là, donc clairement, je vais pas l'essayer, c'est bon. C'est le même. Mais c'est beaucoup de choses. J'ai cru qu'il était à l'envers. Oh oui, il est trop beau. Et il a un petit nœud devant. Ça, je l'ai pris. Alors, celui-ci, il est trop beau parce qu'en fait, il a ce petit côté cache-cœur là. Vous savez, genre, c'est un peu croisé comme ça. Et ça, c'est vraiment trop beau. C'est un truc avec les crops longs. Je sais pas pourquoi. En ce moment, c'est trop ma gamme.
trop beau avec un col roulé que j'aime trop. Et du coup, sur court, je trouve que c'est trop beau. Crop court. Bah, un crop c'est court, vu que ça s'appelle un crop top. Un crop top c'est déjà court. Crop top long, ça c'est avec manche longue, c'est trop beau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est parti, on va laisser tout de suite. Ensuite, coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. C'est bon ou pas? Coup de cœur. Il est trop beau. Je suis trop contente, il est magnifique. Le petit côté, là, ça resserre. Ensuite, ça prend un peu plus évanoui. Je kiffe le dos. C'est un beau classique. Je kiffe. Je kiffe. Est-ce que vous avez compris? Je le kiffe. Il est trop beau. Je suis in love. Genre, ça, tu mets avec une petite jupe taille haute, un t-shirt, un petit pantalon noir, genre. Manche court, crop top, basique. Il y a beaucoup de basiques chez vous parce que je trouvais que leur basique c'était vraiment pas cher. En même temps, c'est les seuls. Petit basique, je vais l'essayer tout de suite. Je suis contente. J'aime les basiques. Les basiques. C'est parti. Bon, c'est pareil, je suis trop fan. Il est trop beau. J'adore le côté. En fait, je fais tout le temps ça avec mon t-shirt. Même quand c'est un t-shirt long, je fais tout le temps ça. Genre, je retrousse. Et je fais un nœud. Tu vois, je fais vraiment une nœud, je le mets à l'intérieur. Est-ce que ça fait beau? Je ne sais pas. Trop fan, pas autant que celui d'avant parce que l'autre d'avant j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais il est vraiment chouette. Genre il est tout petit, tout mignon. J'aime trop, je suis trop fan. Ça c'est un lot de deux, je crois. Et c'est bon. Ok, je vais en essayer qu'un, mais je suis sûre sur les deux. Mais c'est un lot de deux t-shirts noirs basiques. Ça c'est le top. Il y en a bien deux. Alors, c'est les mêmes. Hein. C'est des t-shirts noirs comme ça, mais évasés. Vous savez, genre, qui sont pas près du corps, pas hyper évasés. Et ça, j'aime trop. Genre, pour tester enfin, l'été avec une petite brassière en dessous, c'est trop bien. Genre, pas que l'été. Bien. Mais des t-shirts à manches courtes, mais avec une grosse veste. Voilà. Ils sont trop bien. Je vous ai dit, c'est les mêmes, mais normalement, oui, c'est juste un lot de. Bon, donc ça, je me sens nulle. Vraiment, genre, j'ai pas si vous avez vraiment mon soutif. Clairement, mon soutif, il suffit que ça lève trop, un bout de sac qui s'en va. Bref, à mettre absolument avec une brassière de sport qui descend assez bas, genre ici, pour qu'on voit le. Moi j'ai une Tommy de figure, genre c'est trop. J'aime beaucoup. Mais pas du tout comme ça. Une brassière, c'est un t-shirt tout simple, tout court, vraiment celui-là est très très court et voilà, le dos il est comme ça, vous savez genre c'est bon. Je vais l'essayer tout de suite, c'est parti. Donc ensuite je mets ma main parce que c'est un petit peu déconnecté, on va se mettre de loin, voilà, parce que c'est bon de faire sauter même les messages, je crois que je n'ai pas. Alors, c'est un petit top, vraiment très très court. Donc, à mettre quelque chose de vraiment taille haute, genre si vous avez une jupe très longue, taille haute, vraiment un truc genre très qui monte très haut, c'est parfait. Mais il y a un truc que ça se trouve beau. J'adore. Il est trop mignon. Et ça, c'est le dernier top. Et celui-là, il est trop beau. Trop beau. Il allait avec un shirt sport ensemble, mais c'est vrai, vous savez, c'est pas humain. Mais je l'ai pas pris, j'ai juste pris ça pour le dos. Donc, il est vraiment genre très lourd. Il est vraiment ensemble, c'est pas qualité. Il y a marqué officiel. Il est trop beau. Et donc, le dos, il se présente comme ceci. Et ça, je suis sûre que je peux. Tellement il est maintenant, enfin maintenant, tellement il a de maintien, je suis sûre que je peux le porter genre nos bras.
Donc je me suis trouvé une jupe. J'ai pris en vraiment une grande taille parce que une jupe, des fesses, ça me jamais dedans. Mais elle est tellement lourde, mais je vous jure, elle est vraiment lourde. Et pourtant, j'ai pris un sol, elle est vraiment pas chère. Mais elle a l'air trop belle et je pense qu'elle va m'aller. J'ai vraiment des grosses hanches, des grosses fesses et des grosses cuisses. Est-ce que vous pouvez lire sur mon visage la joie? Elle est trop belle, 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 elle est trop belle. Et en plus, il y a des petites poches, et ça c'est trop la vie. Des soutiens, je ne sais pas comment penser, je pense qu'il va exploser sur moi. Mais c'est bon, j'aime bien le dos en fait. Mais je pourrais pas le porter sans soutif, hein, parce que du coup je l'ai vu, on voit tout. Ah oui, c'est un shirt tout ample. Grave ample. Regardez, il nage. C'est des petites presses, comme ça. Mais il a l'envers. Non, je suis con. N'importe quoi. Et donc, il se présente comme ceci. C'est un body tout noir basique. Allez, on va l'essayer avec le short. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur des combos, mais on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Comme ça là, ça fait vraiment cool, genre. Vous voyez, je suis trop contente pour ce petit short, il est vraiment trop mince. Et il est vraiment trop chaud, je suis trop mal à l'aise dedans. Il est très fluide, je le sens bien dedans. J'arrive pas à penser que je danse comme ça. Bref, je suis trop fan, il est trop mignon. Alors, il est le deuxième body. Ah putain, j'ai tenté. Ah mais tu laisses un body string. Moi j'aime mieux les body strings. Parce que lui, c'est un body tout le jour. On voit pas dans la fesse. Mais j'aime mieux les body strings parce que je trouve que ça, du coup, ça laisse pas de marque. Et bon, quand tu mets un pantalon, un shirt ou une jupe en plus, ça ne va pas, tu vois. Mais comme je porte beaucoup de serrés, ouais, on s'en fout. Merci. Avec, je vais essayer ce petit cycliste. Qu'elle est vraiment très chouette. J'espère qu'il va pas être trop court ni trop transparent. Est-ce que je vous montre? Bon, on va aller essayer ça. Body, short cycliste, kaki, gris. Il paraissait beaucoup plus rose sur le site. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti, on va essayer ça. Alors, dans un premier temps, le body, je suis trop contente. Il est en tôle, mais vraiment, si vous avez un buste très grand, je vous le conseille pas du tout. Parce que ça va être trop petit, genre vraiment. Pour moi, c'est vraiment parfait, pourtant, je suis pas très grande au niveau du buste. Donc, il est vraiment top. Il est string, c'est vraiment body string, string. Donc, si ça vous plaît pas, les body string, c'est même pas la peine. Et le short de cycliste, alors, je sais pas si vous le voyez, mais il est méga transparent. Parce que sinon ça va poser un problème. Je vais juste essayer de vous montrer le dos du body qui est comme ça. Donc peut-être raccourcir un peu avec un peu. Voilà. Donc voilà pour cette leçon. Franchement, le petit body parce qu'il avait l'air vraiment trop mignon. La couleur ça fait bien. Vous voyez pas trop mon petit bijou. Enfin, vraiment, j'aimais beaucoup. Il est transparent, c'est nul. Et donc le dernier c'est pareil, c'est un short de cycliste. Ah oui, il est un peu plus long et plus épais. Il est beaucoup plus épais. Donc il se présente comme ceci. Je vais aller l'essayer tout de suite avec le body. Je suis trop contente, il est parfait. Je suis trop contente. Il a la taille parfaite. Il remonte pas trop. Franchement, je suis trop contente. Il est trop mince. Et le dernier, c'est un bonus. Ensemble de plage à mettre sur le maillot de bain. Voilà, donc je vais vous l'essayer. Le short il a des petites froufrou là, c'est trop mignon.
qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Voilà. Donc, pour le haut, il est comme ça. Et en fait, ça vient juste mettre un cache-col au niveau de la poitrine. Vous savez, genre juste comme ça. Donc, c'est parti. Je vais essayer ça. Sauf si c'est vraiment trop nul. Ok. Donc, c'est parti. Donc, me voilà réveillée. J'ai pas pu l'enfiler. C'était trop petit. Pourtant, c'était un L. J'ai pris la taille. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, en fait, ma poitrine rentrait pas. Si j'arrive pas à le mettre, donc c'est trop petit. Voilà, je suis désolée pour ceux qui me sont intéressés, mais franchement, prenez une voire deux tailles au-dessus parce que vraiment, c'est just. J'espère que ce haul Shein et ce crash test de la marque beaucoup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait les soldes et sur quel site vous avez cliqué. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous plains de gros bisous et surtout, faites attention à vous.